Bonjour à tous, Team Fish. On se retrouve pour une vidéo assez concise sur le street fishing de Vierzon, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines. Toujours sur la base du power fishing, c'est-à-dire que je marche beaucoup, je suis en mouvement en permanence et je ne pêche que sur les secteurs où je vois du poisson ou sur les spots très intéressants, très marqués. Donc c'est une pêche où on marche beaucoup, mais qui est très efficace pour prospecter rapidement des secteurs où les poissons sont actifs. Et vous allez voir, ça a encore une fois bien marché. Je mettrai pas tous les poissons en vidéo, on a fait beaucoup de poissons de toute taille, donc je mettrai seulement le best-of. Sinon, je profite de la vidéo pour vous faire une grosse annonce, et là, écoutez bien, c'est une dinguerie, c'est une première en France. J'organise une grosse compétition de pêche au pain, ouverte à tout le monde, où l'inscription est gratuite sur l'application Fish & You, qui est elle aussi gratuite. C'est une compétition qui se déroule sur 3 week-ends avec des lots à gagner, il y a un permis de pêche 2024 en jeu pour le gagnant du challenge. Et chacun peut pêcher où il veut du moment qu'il pêche en cours d'eau, donc inscrivez-vous un maximum. On est déjà 150 quasiment, ça serait cool qu'on monte à 300, 400, si ce n'est plus. C'est un concours auquel je participe, dans lequel j'affronte des abonnés on va dire, et ça sera sujet à des vidéos, il y a plusieurs vidéos qui sortiront prochainement dessus. Donc voilà, inscrivez-vous, ça va être une dinguerie, je mettrai le lien de la compétition en description et dans le commentaire épinglé. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos potes pour les affronter, ça va être marrant. Allez, sinon on se dit bon visionnage. C'est parti, je vais commencer avec des valeurs sûres. Le but, ça va être vraiment de viser les gros poissons. Alors pour ça, j'ai une caserie en 1 pouce. Vous allez me dire 1 pouce, c'est pas très gros pour les gros poissons, mais je pense que vous allez être surpris. Et un antilion qui doit faire 2,7 pouces, il me semble. Pour les bobasses et puis aussi les grosses perches, c'est un leurre qui est redoutable. Voilà, je commence tranquillement et puis on verra bien quoi les poissons répondent. Il y a un bass là-bas. Il y a des black bass là, j'en vois. J'ai essayé de leur proposer un truc intéressant. Ouais, poisson. Ouais, filet. Ça commence bien. Hop là. Voilà, l'antivillon, c'est vraiment la valeur sûre pour les black bass et les belles perches. Bon, lui, je vais pouvoir le drop normalement. Ça passe, hein. Ouais, il est joli, hein. Voilà. Un premier bass. Hop là. Je vais décrocher, ça commence bien. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça fait plaisir. Allez, ça repart. Nickel. Il y a un bass juste là, il y a un petit bass qui passe. Ouais, poisson, ouais. Yes, je l'ai. Truc de ouf, deux basses d'affilée à l'antilion, c'est les deux que je voyais. C'est un black bass. Non, non, c'est pas ça, c'est un black bass. Par contre, je vais devoir aller le choper. On mange que du saumon. Ouais, bah vous allez être déçu là. Hop, joli. Voilà. Encore un joli bass. Hop là. Fait quasiment 30 lui aussi. Je vais le remettre à l'eau.
Ouais, bonsoir. Hop là, un petit chêne. Waouh. Ne vous inquiétez pas, il est gentil. Encore un petit chêne après les deux basses. Là ça va, les poissons sont assez mordeurs ce matin. Pourtant tout à l'heure j'ai vu un banc de gros passer, j'ai essayé de pas réussir à les choper. Mais lui si, allez, ça repart. Donc maintenant il s'agit d'en prendre des plus gros. Là il y a un spot assez marqué, on voit qu'il y a une cassure, ça plonge. Donc il y a souvent des jolis poissons qui peuvent se cacher là-dedans. Faut insister au niveau de la cassure là, voilà. Ici. Oh, il y a un bass qui arrive. Il y a un bass qui arrive. Mince. Poisson. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai. Yes. Et voilà. Vous l'avez dit. Il fallait juste insister un petit peu sur la cassure. Et ça a déclenché un poisson, encore une fois, de la même taille. Et il y a deux qui suivent. Il y a deux poissons qui suivent derrière. Allez, allez, allez. Un truc de ouf. Il y a un banc de basse derrière. Je sais pas si vous les voyez. Je vais vite le choper. Et relancer. Oh, je vais mesurer lui aussi pour voir. C'est un bass qui fait 31 cm. Donc déjà un spécimen correct. Allez, il y a des plus gros derrière. Hop. Ouais, je le remets, ouais. Il n'y a pas droit de les manger. Regardez le chêne qui passe le mois. Il y a plein de poissons. Il y a des gens qui mettent du pain. Je sais pas si on voit, du coup ça grouille, ça tire tous les carnassiers. Regardez ça. On voit les gros chênes qui me passent devant, qui sont attirés par le pain. Vous voyez là? Je pense qu'il prendra pas lui. Mais... Oh. Oh le refus de ouf. Oui, il est encore en dessous. Oh, incroyable cette action là. Je sais pas si vous l'avez vu. Je savais qu'il allait pas prendre parce que t'as me voyait là. Je suis devant lui, il est pas dupe. Oh le spot de ouf. Le spot de zinzin. Regarde ça. Relou. Je vais me chercher. Là, typiquement c'est pareil, c'est des spots où il faut grave insister. Les gens en général ont pas trop idée de les pêcher. Des petites nelles comme ça, c'est hyper dur d'accès. Là je fais vraiment en équilibre, vous voyez. Il y a souvent des grosses perches là-dedans. Oh le truc de ouf, il fait un poisson là. Ah, c'est des pigeons. Si je fais un poisson là, je l'aurais cherché, c'est sûr. A few moments later. Oh ouais 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 ouais. Poisson. Oh c'est beau. Dans l'égout. Oh la vache.
Oh la vache mon petit gars. Ce steak il est énorme lui aussi. Ah t'as été là-dessus là. Dans l'espèce d'égout là. Ah putain. Ah ouais. Pas de la mat hein. Dans l'égout je te jure. J'ai essayé hier le. Vas-y, je vais aller le chercher toi. Je vais finir avec Anne s'il te plaît. Allez, vas-y. Je vais descendre. Quelle galère, mais c'est horrible ça épisode. Tout jamais. Oh. Gens sont oh la vache, le steak! C'est monstre! Tu l'avais vu? Non! Non, mais dans le tunnel, s'il te plaît! Il est large! Il était en plein le tunnel! Il fait 47. Il est large, hein? Chaîne de 47, ouais, il est beau! Ça va être le titre: OMG, gros poisson sous un tunnel! Magnifique, un poisson comme ça! Hop là, petit plouf! Ça repart. Nice. Bah ouais, c'est marrant, mais c'est que bah moi c'est un peu le même principe. Moi c'est une sorte de grosse créature marron. En fait, c'est vraiment des trucs qui sont imitatifs. Tiens, regarde là-bas, il y a encore un beau fen. Ils sont tous sous l'herbe, les machins. Tous là-bas. Oh, tu as vu? Allez, regarde. J'ai fait décoller un banc de cheven, des fennes de 30-35. Ok, t'inquiète. Ouais, mais je l'ai. Truc de ouf. Je l'ai pris carrément sous l'arbre là-bas. Oh, le bruit du moulin, j'ai peur. Et voilà. Comme quoi. Sous les arbres, il y a toujours des bofens. Ah oui, on n'a pas d'épuvette en plus. Donc. ça va être les galères à chaque fois. Allez hop, sur l'herbe. L'herbe fraîche. En fait, j'ai une passion, c'est de mesurer les poissons. J'aime trop prendre des poissons, faire des estimations et regarder si j'ai raison ou pas, tu vois. J'étais pas loin. Je suis 22-33. Et voilà. Déjà un pépère. Là, pareil, c'est des spots qu'il faut poncer, ça. Les dessous de pont où c'est pas trop pêché. Il y a souvent des jolis poissons qui se cachent. Faut pas hésiter à aller lentement. Souvent les grosses perches amortent des animations très lentes, presque à l'arrêt. Tout à l'heure pour les black bass, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils mordaient vraiment à la pause. Oh, poisson! Et voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, c'est un truc de ouf. Ça a payé encore une fois. Allez, un joli bass. C'est que des basses correctes. Hein. Ils sont bien ronds. Voilà. Pourtant, c'est des poissons qui sont hyper éduqués. Hein. Mais vous voyez le fait d'aller lentement avec des leurres un peu naturelles, ça déclenche vraiment les poissons. Allez, ça repart. Brossé, brossé. Yes, brossé. Petit broc. Punaise. Testicule. Petit broc. Je l'ai vu venir de loin, lui. Heureusement, j'ai pu le ferrer à vue. Pour pas qu'il me coupe aussi. Et hop. Et ben voilà. Multi-espèce, là, pour le coup. Zizi Pike. Heureusement, je l'ai vu fuir à fond. J'ai pu ferrer à la touche pour pas qu'il en gamme, parce que... Pour ceux qui ont déjà fait attention, ça repart.
Oh, bien joué. Oh, punaise. Vas-y, fais, c'est le tien. Truc de ouf. Allez, balèze, ouais. C'est bon. On va la mesurer. Allez. Combien t'estimes ça? Celle-là, on a dit, elle doit faire bien. C'est 35 quasiment. 35. Tu vois? Bien joué. 35. 1 minute later. Oh, bien joué! Mais non, mais. Il abuse. C'est honteux. Elle est encore plus grosse, tu rigoles? Elle est énorme, mec! C'est pas possible! Bien joué! Pour moi, elle est encore plus grosse. Truc de ouf. 36. Elle fait 36, elle. Incroyable! Allez, release du poissonnier. Ah ouais, non, mais elle est balèze, c'est clair. Bien joué. Ouais, voilà, c'est elle. Ouais, gros chevenne. Nico, si. Ah non, il va me couper. Il va me couper. Il se met sur un caillou, quoi. Un caillou tranchant. Qui se défasse tout seul. Il va me couper s'il fait ça. C'est bon, oh, j'ai flippé. Il s'est mis sur un caillou ultra tranchant. Oh, il est balèze, ouais. Non, pas là. Vas-y, je veux se tanker, hein. Il est hyper intelligent celui-ci. Oh mon dieu, mais plus jamais j'oublie mon épuisette, quoi. Oui, moi je l'ai oublié. Plus jamais. Ah, il est balèze. Il fait quasiment 50, hein. Pas très loin. Cimer. C'est quoi cette pêche? Je te jure. Cimer. Et voilà, encore une fois. Casari Crazy Fish. En plus, je suis un sans ardillon, tu vois. J'ai pas d'ardillon. Et puis il se décroche pas alors qu'il s'est tanké dans des herbes, dans des branches, des trucs comme ça. Ça aurait pu couper, mais non. Il est beau. Allez. Je vais le remettre. Toi, tu repars. Hop. Non, bah c'est propre. C'est un 10 sur 10 pour le plongeon.